Alors d'abord, vous dire à quel point je suis heureuse d'être avec vous, même si vous êtes un peu loin. Je vois quelques petites vignettes avec des visages, aussi bien de femmes que d'hommes. Je vois des gens très très jeunes aussi parmi les visages qui s'affichent sur l'écran. Donc ça, c'est un combat qu'a magnifiquement et que continue à incarner magnifiquement Marie-Françoise depuis longtemps. Et donc, je voudrais dire ma reconnaissance à l'association et à Marie-Françoise. Car Marie-Françoise a été très importante dans le parcours, le voyage que j'ai fait pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire la vieillesse. Puisque la thématique, c'est vieux et vivant. Eh bien, moi, je dirais plutôt vivant et vieux. Ce n'est pas une évidence aujourd'hui dans notre société, dans les représentations qu'on donne de la vieillesse. Mais par contre, c'est quelque chose que j'ai ressenti à travers toutes les rencontres que j'ai pu faire, toutes les enquêtes que j'ai pu mener, tous les lieux où j'ai pu habiter et vivre, et où j'ai pu admirer toutes les personnes qui, soit accompagnées des individualités qui doivent être, entre guillemets, prises en charge, soit des personnes qui incarnent la vieillesse magnifiquement, comme sédimentation d'expérience, agrandissement psychique et vital de ce que ça veut dire être au monde. Et parmi ces personnes, il y a Marie-Françoise. Alors Marie-Françoise, je peux dire que d'abord c'est l'humour, ensuite c'est la grande expérience, ensuite c'est la distance, ensuite c'est le travail, ensuite c'est l'expérimentation, ensuite c'est l'expertise de l'expérimentation. Et ensuite, c'est l'accompagnement à tous les niveaux. Et surtout, pour moi, je dirais d'un seul mot que c'est l'incarnation de la vitalité. C'est une révélation de vieillir. C'est extraordinaire. C'est une découverte de tous les jours. Il y a des surprises tous les matins. Aujourd'hui, j'aime bien le présent. Je ne suis pas dans la nostalgie de mes 20 ans. Pas du tout. J'ai l'impression de m'enrichir encore plus aujourd'hui, de rencontrer avec plus d'intensité, plus d'ouverture les personnes avec lesquelles j'ai la chance de me trouver. Et on rencontre l'autre d'une façon exceptionnelle, beaucoup d'émotions. Nous sommes nombreux à Hold Up à continuer ce chemin de découverte et je m'en réjouis énormément. Ce sont des rencontres, je pense que nous sommes aussi une association de rencontres. Pour pouvoir rencontrer quelqu'un, eh ben, faut vivre l'instant T du présent. Oui. Et quand on est jeune, on passe son temps à imaginer le futur, l'avenir. On est pris dans une action. Je pense qu'à chaque âge, il y a des découvertes différentes, un rythme de découvertes différentes. Et seulement, ça ne s'arrête pas. C'est ça que moi, je voudrais témoigner. On s'ouvre à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est moins autour de ceux qui font le fondamental de la famille, et c'est plus peut-être une découverte plus universelle. Et puis ce sont des rencontres gratuites, complètement gratuites. Et c'est extraordinaire. Il y a une sorte d'allègement de l'existence qui fait que finalement on fait beaucoup plus de choses pour son plaisir, sans essayer, parce qu'on est quand même tous plus ou moins inscrits dans un jeu social quand on travaille. De performance. De performance, de compétitivité, de concurrence, quelquefois vénéneuse et très, très lourde à porter. Oui, mais enfin, on est bien obligé d'y être pour pouvoir se maintenir. Et donc, l'âge apporte aussi cette espèce de légèreté qui fait qu'on vit les choses sans en attendre de retour, comme on dit, sans avoir d'utilité sociale ou économique. Donc la jeunesse, je pense que ce n'est pas une histoire d'âge. La vieillesse, ce n'est donc pas une histoire d'âge. C'est une histoire d'état d'esprit. Plus on vieillit, plus il y a une sédimentation d'expérience, de connaissances et de lâcher prise qui autorise des choses que peut-être on n'aurait pas osé le faire plus tôt. Je crois que oui. Il n'y a pas de doute qu'on peut oser, mais il n'y a pas de doute qu'on perd des moyens, on perd beaucoup de capacités, et en même temps, on en acquiert de nouvelles. Nous avons un ami à Hold Up qui est sociologue, et alors il dit en riant, il dit « maintenant je cours lentement ». Ça veut dire qu'il découvre le monde.
Tout à l'heure, vous avez parlé, Marie-Françoise, de l'agrandissement de l'existence au cours de la vieillesse. Et vous avez sous-entendu, sans y aller vraiment, que cet agrandissement de l'existence, il peut être obtenu évidemment par les joies familiales. Vous avez parlé des petits-enfants. Mais vous avez dit aussi qu'il n'y avait pas que la famille. Il n'y a pas que le rôle de grands-parents qui soit issu aux personnes qui atteignent un âge certain ou un certain âge, comme on voudra. Un grand âge. C'est très important, cette part de nous-mêmes qui est en questionnement sur le sens de la vie, sur ce qui est au-delà de nous-mêmes. Et que c'est une période très ouverte à la réflexion, au questionnement. Nous avons ce temps qui nous est donné, il faut que nous en profitions, et que nous en profitions avec d'autres, parce que c'est dans le dialogue, c'est dans la rencontre, que les choses vont se cheminer de question en question. Je pense qu'on va pouvoir aller plus loin. Et donc, je trouve que cette ségrégation vis-à-vis de la vieillesse, vis-à-vis de l'âge comme critère de compréhension de ce que veut dire une société, n'est pas un critère objectif. D'ailleurs, moi, je me suis aperçue, à ma grande surprise, en enquêtant sur ce que ça veut dire avoir de l'âge, je me suis posé une question stupide à un moment. Je me suis dit, depuis combien de temps on a un âge ? Pendant des siècles et des siècles, on a vécu comme des personnes et on ne nous jetait pas à la figure d'abord votre âge. Ce qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup et trop souvent le cas aujourd'hui. C'est vrai. Et nous avons obtempéré, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons honte de nos défauts, de nos pertes, de nos incapacités. Alors le Montessori pour les jeunes et pour les vieux, c'est le même principe, c'est-à-dire que quand on fait un bilan, on regarde quelles sont les capacités que l'on a et non pas quelles sont les pertes. Nous avons marché dans cette dépréciation du vieillissement, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu même des époques en Occident où les objets anciens ou les maisons anciennes ou les choses comme ça avaient une valeur qui se conservait et qu'à l'heure actuelle, le jetable a pris une prépondérance terrible. Je crois que le fil de l'âge, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en constante renaissance. Le vieillissement est une occasion, une opportunité, une créativité extrêmement forte. La vieillesse, finalement, c'est un champ de liberté, un champ des possibles tout à fait nouveau. Et cette nouvelle audace permet finalement d'aller encore plus loin au grand étonnement des artistes eux-mêmes. Thank you.